On se demande comment Valérie Pécresse a pu être choisie comme candidate à une élection présidentielle. Car, honnêtement, elle n'a aucune stature intellectuelle. Elle représente, à tout point de vue, le niveau médiocre de la classe politique française. Jugez plutôt. Ah oui, volontiers, oui. Parce que nous, les femmes, nous avons un organe moins puissant que les hommes pour parler. Donc, on a besoin. Le sujet, c'est faites cette campagne présidentielle avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles, quoi. La guerre des étoiles du trombinoscope. La guerre des étoiles du trombinoscope, la question, c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope. Parce que, bon, il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Il y a l'attaque des clones, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Hein. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. Cette campagne, c'est un peu la guerre des étoiles, c'est un peu la guerre tout court. Concernant les Ukrainiens, il y a énormément de réfugiés. On est déjà à plus de 2,5 millions de personnes qui ont quitté leur pays. Vous préfériez que cet accueil se fasse, je cite, dans les pays limitrophes, et vous avez demandé un candidat à l'exil. Vous l'avez dit. Non, absolument pas. Vous confondez avec Éric Zemmour. Non, pas... Maintenant, ce que je crois, c'est que il est préférable, effectivement, d'organiser leur accueil dans les pays limitrophes pour qu'ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible. C'est aussi pour cela que nous travaillons avec la Pologne. Vous dites un peu comme avec Éric Zemmour, mieux vaut que ce soit la... En femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Pourquoi ? Parce que le parti est mort ? Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées. Vous savez, ça fait trois ans que je plaide pour un changement de ligne et un changement de stratégie. J'ai plaidé pour l'élargissement de la droite. On a eu le rétrécissement. J'ai plaidé pour la clarification vis-à-vis de tous ceux qui, aux Républicains, susurrent qu'on ferait bien d'aller faire une alliance avec l'extrême droite. J'ai découvert, à ma grande stupéfaction, que des Républicains s'étaient alliés à la France insoumise qui casse aujourd'hui nos commerces dans les centres-villes tous les samedis pour contester des privatisations, alors qu'on a toujours eu des privatisations dans nos projets. J'ai été toute seule pour défendre les droits des femmes, pour défendre l'écologie positive, pour dire qu'il fallait qu'on ait un projet pour les banlieues.